est important que tout le monde se saisisse du sujet de la culture. Car sans culture, que peut être notre espace public ? Bien peu de choses. Et de ce fait, nous devons nous enquérir des sujets qui nous touchent en premier lieu. Battons-nous pour ce qui fera vivre les gens de demain. Tu peux me dire le rapport que tu as personnellement avec la culture et ce qui fait que tu es là cet après-midi ? Personnellement, à Clermont-Ferrand, j'ai des liens avec la culture, surtout au niveau d'un lieu qui s'appelle le Raymond Barre, un lieu important pour la communauté clermontoise, comme pour la communauté, j'ai envie de dire, de mélomanes françaises, car elle est importante pour toute une scène locale et aussi pour des petits artistes qui essayent de faire vivre leur musique. Et il y a un public pour ces gens. Du coup, fermer ces lieux, ne pas leur donner la chance de continuer d'offrir à leur public ce qu'ils demandent, c'est malheureux. Et pour autant, nous travaillons quand même. Donc, battons-nous pour la culture, car moi, mon lien ici, c'est juste le lien avec tout le monde. Pourquoi c'est important pour vous d'être dans le cortège ce samedi après-midi ? Bon, déjà parce que effectivement la culture c'est quelque chose qui est absolument essentiel aussi pour les étudiants et les étudiantes. On nous demande d'une manière générale d'avoir un certain capital culturel pour pouvoir étudier, etc. D'avoir aussi de développer notre esprit critique. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas uniquement à l'intérieur de nos cours, c'est quelque chose qui peut se faire et qui doit pouvoir se faire à l'extérieur. Aujourd'hui et même bien avant la pandémie, les étudiants et les étudiantes, ils n'ont pas accès à cette culture parce qu'ils ont à peine accès à de quoi pouvoir manger. Donc voilà, pour nous c'est absolument nécessaire d'être là. Il faut aussi permettre à la culture d'être présente au sein des facs par le fait que les services qui sont destinés à faire rentrer la culture dans les facs aient plus de budget, faire en sorte qu'on puisse louer facilement ou se prendre facilement tout simplement des amphis, des salles, etc. pour pouvoir aussi faire des conférences, faire de la culture à l'intérieur, pour faire en sorte que ce soit accessible à toutes et à tous tout simplement. Et après, Il y a le collectif qui s'est monté contre la loi sécurité globale qui est présent aussi aujourd'hui. Il y a une intervention juste avant à ce sujet-là, nous on en fait partie, parce que ça concerne tout le mouvement social évidemment. La liberté de filmer, la liberté d'informer, c'est quelque chose qui est mis en danger aujourd'hui. La loi est passée il y a quelques jours maintenant, on continue de se mobiliser à ce sujet-là évidemment également, parce que il faut qu'on puisse continuer de manifester sans avoir peur aussi, continuer de manifester librement pour pouvoir faire valoir nos droits qui sont sans arrêt cassés en ce moment.